bienvenue dans la célèbre émission des micro-dictées. Cher professeur Pivot, auriez-vous un conseil à donner à nos auditeurs avant de commencer ? Il faut savoir orthographier correctement les homophones en peu. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Peu est un adverbe qui indique une quantité. Comme dans « il y a peu de monde », « je veux un peu de gâteau », « il a peu d'argent », etc. Très bien. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec les formes « peu » ou « peu » du verbe « pouvoir » du présent de l'indicatif. Pour les distinguer, on peut changer le temps de la phrase. Ainsi, dans la phrase « il ne peut pas combattre », on peut dire « il ne pouvait pas combattre ». De la même manière, dans « je peux l'aider à faire son travail », on peut dire « je pouvais l'aider à faire son travail ». Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, il ne faut pas non plus confondre l'adverbe « peut-être » avec la forme verbale « peut-être ». Comment fait-on pour les distinguer ? On peut remplacer l'adverbe « peut-être » par « probablement ». Ainsi, dans la phrase « il est peut-être parti », on peut dire « il est probablement parti ». De la même manière, pour repérer la forme verbale « peut-être », on peut changer le temps de la phrase comme dans « il peut être brillant quand il veut ». On peut dire « il pouvait être brillant quand il voulait ». Merci pour tous ces précieux conseils. Passons maintenant à la célèbre dictée du jour. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son ensemble. Cette dictée s'intitule « La pluie ». J'ai reçu un peu d'eau sur le visage. Il va peut-être pleuvoir. Il y a encore peu de nuages dans le ciel, mais je pense que cela va changer. Tu peux prendre mon parapluie. Il se peut que tu en aies besoin. Rentre à la maison dès que tu peux, car cela pourrait tourner à l'orage. Je suis peut-être alarmiste, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Point final. N'hésitez pas à stopper la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai deux fois chacune des phrases et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. La pluie. La pluie. J'ai reçu un peu d'eau. Sur le visage. Point. J'ai reçu un peu d'eau sur le visage. Point. Il va peut-être pleuvoir. Point. Il va peut-être pleuvoir. Point. Il y a encore peu de nuages. Dans le ciel, virgule. Mais je pense que cela va changer. Il y a encore peu de nuages dans le ciel, virgule, mais je pense que cela va changer. Point. Tu peux prendre mon parapluie, virgule. Il se peut que tu en aies besoin. Point. «
Tu peux prendre mon parapluie, virgule, il se peut que tu en aies besoin, point. Rentre à la maison. Dès que tu peux, virgule. Car cela pourrait tourner à l'orage. Rentre à la maison dès que tu peux, virgule. Car cela pourrait tourner à l'orage. Point. Je suis peut-être alarmiste, virgule. Mais il vaut mieux prévenir. Que guérir. Point final. Je suis peut-être alarmiste, virgule, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Point final. Avant de découvrir la correction, je vous propose de stopper cette vidéo et d'en profiter pour réviser votre dictée. Découvrons ensemble le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des micro-dictées. Je vous dis au revoir et à bientôt.